à la fois un moment réglementaire, puisqu'il ne peut pas y avoir de grands projets structurants dans le centre du village sans qu'il y ait une réunion de concertation publique, qui bien sûr, cette réunion sera suivie du dépôt d'un registre à la mairie, vous y retrouverez des plans, et où bien sûr le but c'est de vous exprimer. Je tiens bien sûr à remercier le député Éric Ciotti, président du conseil départemental et également président du syndicat mixte du développement de la Vésubie et du Val-de-Blore, qui s'est fait l'interface, mais je dirais le catalyseur auprès de Christian Estrosi, que j'excuse, qui devait être là lors de la précédente réunion qui avait été organisée, mais qui était au lendemain de l'attentat de Nice. Donc cette réunion a été reportée aujourd'hui et son agenda ne lui a pas permis de se libérer. Donc merci Eric pour avoir porté très haut ce dossier auprès de la métropole, puisque ce projet qui va vous être présenté, il est financé à 100% par la métropole, donc ça ne touchera pas le budget communal, si ce n'est en petite partie, parce qu'il y a certains équipements qui sont de la compétence de la commune, mais qui ces équipements ne devraient pas dépasser les 200 000 euros. Et quant à ce projet, lui, il avoisine les 6 millions d'euros. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Éric Ciotti. Je vais simplement dire que dans ce projet, vous pouvez vous exprimer. Si on tarde un peu sur le délai, c'est que bien sûr, il y a des délais réglementaires. Tout à l'heure, on va vous donner à peu près les dates. C'est jamais trop facile. Et parmi ces délais des réglementaires, excusez-moi, il y a eu une partie qui a été un peu tardée. C'était la position de l'architecte des bâtiments de France par rapport à l'abattage des platanes. Donc tout ça va vous être expliqué. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à mon ami Éric Ciotti. Bien, merci Monsieur le maire, merci mon cher Henri, mesdames, messieurs. Quelques mots avant que l'on vous présente au plan technique, architectural, ce projet extrêmement important qui va concerner notre village avec à la fois la requalification totale de la place de la mairie et avec la création d'un parking souterrain sous les allées. Deux équipements qui nous faisaient défaut, dont on parle depuis des décennies, je crois que depuis que je suis né j'en ai entendu parler, ce déficit de place, de stationnement à Saint-Martin, bien sûr l'été, mais de façon permanente, et en même temps la requalification, même si je le dis, elle a déjà été abordée avec la piétonnisation, qui est un progrès considérable de la place de la mairie, qui est notre première vitrine et qui est, pour ceux qui nous font l'honneur d'être à Saint-Martin en villégiature, en vacances, d'y passer, d'y séjourner, de s'y installer, et puis pour les habitants de Saint-Martin, qui est un lieu important. Donc ce projet était d'autant plus nécessaire que dans quelques jours, je vous en dirai un mot, ouvrira le pôle sport dont le chantier se termine, et que bien entendu ce projet, c'est son ambition, c'est son objectif, accueillera plusieurs milliers, l'objectif est de 70 000 visiteurs par an, c'est en tout cas le plan de programmation que nous avons effectué, l'étude de marché sur laquelle la délégation de services publics a été effectuée, accueillera des visiteurs tout au long de l'année, bien entendu, mais avec naturellement une augmentation durant l'été. Ce projet, même s'il intervient après la réalisation du pôle sport, est un élément qui s'inscrit dans ce que j'ai souhaité mettre en place pour cette vallée,
de façon globale, de façon cohérente, et qui est en train cet été de monter en puissance et qui fait en sorte que chaque brique posée dans chaque village, dans chaque commune, sur des équipements nouveaux, va bâtir un grand projet, est en train de bâtir un grand projet de développement qui constitue pour notre village une véritable révolution. Nous avons ouvert début juillet la station thermale de Roquebière, qui connaît un succès extrêmement important, qui concerne toute la vallée. D'ores et déjà, le nombre de curistes a été multiplié par 2 par rapport à l'année dernière, avec des séjours plus longs aussi, puisque la station est d'une très grande qualité. Il y a l'aspect soin, mais il y a également l'aspect bien-être, et je sais que certains d'entre vous en ont profité. Et si ce n'est pas le cas pour tous, je vous invite à le faire, parce que ceux qui sont allés ont tous exprimé combien cet équipement était de qualité. 16 millions d'euros d'investissement pour la station thermale. Et tout à l'heure, je vous invite à rester d'ailleurs pour ceux qui sont là, à 12h45, nous inaugurons officiellement la navette que j'ai souhaité mettre en place chaque jour, avec plusieurs passages, entre Saint-Martin et Berthemont, et entre Berthemont et Roquebière, pour que justement ça facilite les séjours ici à Saint-Martin. Cette navette, je le signale, sera financée, elle fonctionnera tout le mois d'août, et elle sera financée pour 25 000 euros totalement par le syndicat mixte que je préside. Donc il y a la station thermale, il y a la tyrolienne de la Colmiane. La tyrolienne, depuis qu'elle est ouverte, a connu 7500 passages, dont 5000 depuis le début du mois de juin, avec des retombées médiatiques extrêmement importantes. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, le chiffre d'affaires de la tyrolienne sera supérieur au chiffre d'affaires des remontées mécaniques de la Colmiane. Voilà, ça veut dire aussi l'enjeu, et ça nous amène une clientèle de très loin et de très grande qualité qui est extrêmement importante. Un investissement de 2 500 000 euros, toujours le syndicat mixte. Nous lançons en septembre, là aussi ça a pris du temps, les procédures sont longues, le chantier d'extension du parc Alpha, qui nous permettra, dès l'été prochain, de mettre en place de nouvelles, autour de l'été, de mettre en place de nouvelles espèces qui doivent nous permettre de passer à une fréquentation de 100 000 visiteurs par an. Nous serons cette année sans doute à 65 000 visiteurs par an. Quand nous avons repris dans le nouveau syndicat mixte le parc Alpha, nous étions à 48 000 visiteurs. Et là, cette année, nous sommes en progression sur les 6 premiers mois de 15%. Donc vous voyez, des équipements, là aussi c'est 2 millions d'euros d'investissement, rien que sur les nouveaux enclos, vous avez tous ces équipements qui se mettent en place, et naturellement le pôle sport. Alors le pôle sport, il devait ouvrir normalement fin juillet, il devait ouvrir, j'avais déjà quasiment fait, on avait fait les procédures pour que ça ouvre samedi prochain. On a, par rapport aux analyses de l'eau, un délai nécessaire qui complique un peu le délai. Donc on va ouvrir partiellement le pôle sport, soit le 20, soit le 27. Voilà, donc c'est malheureusement, je m'en excuse, je le sais, parce que ce n'était pas mon souhait, et j'ai tout fait pour qu'on ouvre pour la saison, pour l'été, mais il sera ouvert pour la rentrée scolaire. Et je veux le dire déjà, avec la mise en place d'un plan natation pour tous les enfants des écoles, notamment de l'école de Saint-Martin, et la mise en place d'un plan escalade pour aussi les enfants des écoles de Saint-Martin et de la vallée. Et puis le pôle sport, il est ouvert toute l'année, il est ouvert à tous, donc dès le début septembre, vous aurez la possibilité chaque jour d'aller dans une piscine couverte à Saint-Martin, de pratiquer des activités sportives pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, et puis pour les visiteurs qui trouveront un attrait important. Dernier point, c'est les logements, puisqu'il nous faut des logements pour accueillir les visiteurs, et il nous faut du stationnement. Les logements, nous y travaillons avec la Société d'économie mixte du département, du conseil départemental, Habitat 06.
sur le terrain au-dessus de l'hôpital. Nous présenterons le projet dans quelques mois. C'est un projet de très grande qualité, avec des chalets pierre-bois, sur quelques dizaines de logements locatifs qui permettront d'attirer une nouvelle clientèle en relation avec l'UCPA. Ce n'est pas l'UCPA qui gérera le logement, je le dis parce que certains l'ont dit, c'était une erreur. Ce n'est pas non plus un organisme HLM pour accueillir des Roms, comme certains l'ont dit, je veux les rassurer. Ça sera de la résidence de tourisme 4 étoiles, de haut niveau, de qualité, qui permettra d'accueillir une clientèle qui aujourd'hui ne trouve pas à se loger. Ça ne sera pas un hôtel, pas de restauration, je le dis aux commerçants, puisqu'ils auront eux aussi à jouer leur rôle et à en profiter pour accueillir cette clientèle. Ça sera des résidences de tourisme sans restauration, mais avec un hébergement locatif, normalisé aux normes qui nous fait défaut aujourd'hui. Donc là aussi, nous travaillons, et c'est un projet qui ne coûtera rien à la commune, comme la quasi-totalité des projets que je viens d'évoquer, sauf la part de la commune, mon cher Henri, dans le syndicat mixte, qui est une part qui est aujourd'hui de 1,5%. Voilà. Là aussi, pour ceux qui émettent quelquefois des critiques, il faut connaître les dossiers, donc il n'y aura pas d'incidence, bien entendu, sur la fiscalité locale. J'y ai veillé, c'est mon objectif. Ces projets, je m'y étais engagé il y a 8 ans auprès de vous. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous terminés ou tous en chantier. Alors bien sûr, peut-être quelques semaines de retard, mais à l'échelle d'une vie, d'un projet de cette ampleur, qu'est-ce que c'est qu'un mois de retard par rapport aux enjeux véritablement révolutionnaires qui sont en train de s'effectuer à Saint-Martin et dans la vallée de la Vésubie et du Val-de-Blore et dans la montagne. Regardez le magazine L'Express de cette semaine. Vous avez deux pages, une sur Saint-Martin, une sur Pertemont. C'est un projet qui est de dimension nationale et qui va attirer beaucoup de monde. Dernier point, il était essentiel, c'était celui du parking. J'ai pas voulu, on aurait pu, mais bon, je n'avais pas les moyens personnellement, parce que ça dépendait de la métropole, qu'on fasse en permanence, de façon simultanée, les parkings et le projet. Ça aurait été mieux, mais à un moment, il faut commencer. Et si on attend toujours que ce soit les autres qui font, moi, ma volonté, mon pari, mon engagement auprès de vous, ça a été de dire, là où je suis, à la tête du département, eh bien, j'apporte cet investissement, et puis après, le reste suivra. Et c'est le cas. Et j'espère aussi que l'investissement privé suivra, parce que c'est l'objectif, que demain on ait des hôtels de qualité, qu'on ait des commerces de qualité, qu'on ait des gens qui investissent à Saint-Martin, qu'on ait des équipements, des associations sportives qui se créent, qui en profitent. C'est tout ça l'enjeu. Mais je suis convaincu que ça se mettra en œuvre. Alors oui, bon, on a ce décalage sur les parkings. Les parkings, je veux remercier très sincèrement les parkings et la place, Christian Estrosi, qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'il était une cérémonie à Nice, à la synagogue, en hommage des victimes de l'attentat, qui a été organisé un peu en dernière minute, et il m'a demandé qu'on tienne quand même cette réunion, parce que comme l'a dit Henri, elle s'inscrit dans le début de la procédure juridique de concertation qui est conduite par la métropole pour un projet d'une telle ampleur. Voilà, ce projet, je veux remercier Christian Estrosi de l'avoir accepté. C'est un projet de près de 6 millions d'euros, comme l'a dit Henri tout à l'heure. Donc, ce n'est pas rien. Il faut que chacune et chacun d'entre vous mesure aussi l'importance des investissements qui arrivent à Saint-Martin. Et ne croyez pas que ça tombe en pluie fine du ciel, que ça soit naturel, que ça soit partout pareil. Je sais que certains le pensent. C'est le débat public, chacun a son appréciation, mais allez ailleurs, vous regardez et vous mesurerez ce qui se passe et l'ampleur de l'effort qui est fait par le département et par la métropole. Voilà, j'ai demandé à Christian Estrosi, dans le cadre des relations que nous avons tous les deux, dans le cadre de l'association permanente qui existe entre la métropole et le département, qu'il y ait cet engagement important et qui n'a pas lieu dans,
dans d'autres sites, hein, parce que beaucoup de mairies voudraient des parkings, M. Pitou le sait bien, certains ont été faits, mais beaucoup d'autres le souhaitent, et donc ce n'est pas quelque chose qui se fait partout. Et cet investissement, 6 millions d'euros, eh bien naturellement, c'est la complémentarité de l'investissement du pôle sport, qui est un investissement autour de 30 millions d'euros, qui lui est financé par le département. Voilà, ça veut dire que c'est un engagement, et je veux que vous en soyez conscient. Il peut y avoir on est au stade de la concertation. Donc la concertation, c'est un mot qui a un sens. C'est un projet qui va vous être présenté techniquement, qui est un beau projet que nous avons voulu de qualité, qui renoue avec cet esprit montagne qu'on veut donner à Saint-Martin, qu'on veut redonner, parce que c'est tout l'esprit du projet que nous avons conduit autour du pôle sport, autour du développement du Boréon, autour de la cascade de glace. C'est cet esprit montagne, faire que Saint-Martin, capitale de la Suisse niçoise, soit la capitale des Alpes du Sud, de l'escalade, de la montagne, des activités de tourisme. Et donc il faut du beau, il faut de la qualité, il faut des matières nobles, il faut un projet de grande qualité esthétique, et en même temps il faut répondre à un besoin, celui du stationnement. Le stationnement, on a quasiment doublé sur le parking des allées. Avec le pôle sport, on ouvre 150 places. Il y en avait 80, je crois, donc il y avait 70 places en plus, mais qui forcément vont accueillir la clientèle du pôle sport. Là, on a besoin, pour que les gens s'arrêtent en cœur de village, de ce parking souterrain sous les allées, parce que c'est bien qu'il n'y ait plus les voitures, je le dis, ça a été aussi, je sais que ça a été débattu, mais je pense que c'est un progrès qu'il n'y ait plus les voitures devant la mairie, parce que c'est plus beau d'avoir un marché, c'est plus beau d'avoir des activités, que les enfants puissent jouer librement, qu'il y ait des terrasses de café, tout ça, c'est bien, c'est de la qualité, c'est mieux. La contrepartie, c'est qu'il y a les voitures de l'autre côté, ça c'est moins bien, mais pour l'instant on n'a pas le choix, et bien demain on les mettra dessous. Donc vraiment, il y a une complémentarité, il y a une cohérence. Alors on va vous présenter le projet, il peut y avoir des points sur lesquels il y a débat, il y a ajustement, la question des ordures ménagères, la question des arbres, je sais qu'on en parle et c'est normal. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. On est là pour apporter le meilleur, on est là pour faire progresser le village, mais vraiment, je voudrais que chacune et chacun d'entre vous mesure l'ampleur du projet qui vous est présenté, après ce qui a été fait. On est dans le concret, on est dans la phase de réalisation, hein, la procédure commence, dans l'année et demie qui va être, on aura un début de chantier pour dans un an et demi, hein, pour tout. Donc c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Et je voudrais vraiment que vous appropriiez ce projet. Et je veux ce matin remercier très sincèrement Christian Estrosi, président de la métropole, d'avoir accepté cet investissement qui est important. Je veux souligner que ce parking sera gratuit. Hein, sera gratuit. Il faudra qu'on mette en place, et on en parlera, des modalités pour qu'il n'y ait pas des voitures ventouses qui restent, naturellement. Donc il y aura des espèces de zones bleues pour que ça soit quelque chose où il y ait une rotation fréquente. Nous y avons veillé aussi, je pensais que c'était aussi bien, on verra l'usage, mais bon, c'est toujours plutôt ce qui est privilégié. Voilà, maintenant, Monsieur Pitou, Monsieur Foka, vont vous présenter le projet technique et puis après, chacun pourra répondre à vos questions. En tout cas, merci d'être très nombreux ce matin, d'être mobilisés, d'être intéressés. C'est important pour nous, c'est important pour moi. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous pour l'ouverture officielle du pôle sport et je vous informerai dans les jours qui viennent, du moment précis. Je veux pas, une semaine près, j'ai pas la réponse. En tout cas, tout le week-end, les entreprises travaillent encore. La piscine est à eau. Hein, voilà, elle est chauffée avec des plaquettes bois qui viennent de Saint-Martin. Voilà, je le signale. Tout ça, normalement, doit fonctionner dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence et pour votre confiance.
Bonjour, je me présente, je suis Elio Foca, je suis responsable de la subdivision de la métropole des Ubis. Moi, je vais vous présenter la démarche technique après cette belle introduction et ce qui a permis d'aboutir à ce projet. Alors, en préambule, c'est un projet qui a été établi par une équipe pluridisciplinaire d'architectes, de paysagistes et d'ingénieurs, hein, en étroite collaboration avec la mairie et le conseil départemental. Donc, il y a un diaporama dans un premier temps, il y a 14 diapos à peu près, et par la suite, il y aura un système de questions-réponses à la fin. Donc, la demande donc, consiste à mettre en valeur le centre de Saint-Martin-Vésubie et son identité de station climatique classée de montagne. Voilà. Améliorer le bien-être au quotidien des habitants du village. Renforcer l'attractivité touristique du village aussi. Voilà. Intégrer un parking souterrain en plein centre du village et organiser le stationnement. Rendre les commerces plus accessibles pour les habitants et les touristes. Faciliter, optimiser les festivités, les animations et les manifestations fréquentes, surtout en période estivale. Alors, les principes de l'aménagement consistent à affecter de manière fonctionnelle les espaces. Actuellement, ce n'est pas totalement clair, en fait. Voilà, donc, créer une cohérence et une continuité entre les différentes places et les aménagements réalisés précédemment sur l'entrée du village. Donc, tous les projets de trottoirs et d'encorbellement qui ont été réalisés les années précédentes par le conseil départemental. Et pouvoir assurer, si vous voulez, une connexion entre, par exemple, la place du village et la place des allées, qui n'est actuellement pas très claire, en fait. Qui est mal matérialisé des eaux au sol. Utiliser des matériaux nobles en pierre et bois pour le sol et le mobilier. Actuellement, vous avez de l'enrobé ou des matériaux qui ne sont pas très nobles. Voilà. Donner la priorité aux piétons sur la place Générale de Gaulle. Prendre en compte les manifestations et chapiteaux, qui sera déplacé mais qui sera réutilisé tel quel. Et organiser le stationnement sur l'ensemble du projet. Mettre en place des containers à ordures adaptées. On sait qu'il y a débat sur le sujet et on souhaite mettre en place des containers à des endroits qui sont plus appropriés pour, à la fois pour l'embellissement du village et pour les pratiques des commerçants et des riverains. Et on profite en même temps de ce projet pour rénover l'ensemble des réseaux enterrés sur le site. Voilà, vous avez un plan masse de l'aménagement. Donc, il y a bien sûr des replantations. Hein, et vous voyez un axe principal qui part de la place de la mairie et qui assure une continuité sur la place des allées. Ça, c'est un plan masse réalisé par le paysagiste. Alors, ça, c'est une loupe sur la place de la mairie et, là, et à l'arrière. Donc, toute la partie que vous voyez en jaune, elle sera traitée en pavé et en dalle. Donc, les principes d'aménagement, c'est l'embellissement de la place de la mairie et les contours, donc avec dallage pierre sur l'ensemble de la surface. Le traitement des placettes sur la partie basse qui va vers la rue Kellermann, donc là où il y a les cafés, les magasins et les WC publics. On souhaite aussi traiter de manière qualitative les terrasses qui sont sur le domaine public, principalement derrière la place et vers la rue Cagnoli. Et pour ça, on fera un cahier des charges spécifique entre le paysagiste et l'architecte des bâtiments de France. Bon, tout le site est en zone classée. Hein. On prévoit du mobilier urbain, bois, avec un éclairage public spécifique, et ça permettra aussi de faire de l'éclairage d'ambiance sur la place. On prévoit une nouvelle fontaine aussi, au niveau, vers la rue Kellermann, et des plantations d'arbres. On va essayer d'enlever l'abri poubelle et trouver un autre site mieux approprié, ou plusieurs sites, s'il faut. Bon, on n'a pas encore défini précisément ces sites, mais je pense que pour ça, on fera des réunions spécifiques pour bien définir cela, et on associera la population également. Bon, bien sûr, on rénove l'ensemble des réseaux qui sont sur la place, l'eau potable, les eaux usées, le pluvial, les réseaux secs, et on en profitera pour mettre un réseau de fibre optique qui va être déployé dans, sur l'ensemble de la vallée d'Allier, pour le traiter des biens. On a prévu aussi le déplacement du transformateur qui est actuellement sur la placette Kellermann et on va l'intégrer au futur parking souterrain. Alors là, c'est des photomontages d'ambiance du devenir de la place. Donc là, on est bien sur la place et on regarde vers la place des allées, donc avec un revêtement qualitatif.
Là, on est à l'arrière, devant les boulangeries, les bars. Donc, le revêtement, c'est pareil, sera traité de manière homogène sur l'ensemble. Il y a des plantations, il y a aussi des statues qui ont été posées là. Bon, après, il faudra le définir précisément, mais ça donne une image d'ambiance de la future place. Alors là, c'est la place des allées. Donc les principes d'aménagement, c'est d'assurer la continuité et une connexion avec la place principale. Donc suppression du stationnement sur la place et optimisation de l'espace public. On assure bien faire les continuités entre la place de la mairie et la place des allées. On crée un espace pétanque en prolongement de la place de la mairie. Donc c'est actuellement où vous avez toutes les animations. On mettra les animations à l'arrière après. On conserve la fontaine existante, il faudra bien sûr la démonter et la stocker pendant les travaux du parking. On déplace le chapiteau modulable vers le fond, ce qui permet d'avoir toutes les activités en connexion avec la place principale. On prévoira bien sûr des bornes électriques escamotables pour les fêtes ou les manifestations spécifiques. Et pour les animations touristiques, c'est ce que je disais, la structure accrobranche sera implantée entre le chapiteau et jeu de boules et la patinoire sur le stabilisé en hiver. Donc on intègre toutes les activités actuelles dans le cadre du futur aménagement. Voilà, ça c'est un autre photomontage à partir de la place des allées vers la place de la mairie. On voit bien la connexion entre les deux. On va mieux marquer si les passages de l'un à l'autre. Ça, c'est le parking, donc c'est une vue en plan du parking qui sera réalisé. Donc, parking souterrain sous la place des allées. Le principe, c'est de créer 60 places en souterrain sur un niveau. Et l'accès sera réalisé depuis la rue Charles de Pacret, avec une sortie piétonne sur la place. Un escalier qui remonte, qui permet d'accéder directement sur la place. Alors, ça, c'est une coupe en travers du parking. Et la sortie qui est réalisée sur la RN 2565. Un photomontage du parking. Donc on voit l'accès, on voit un plateau. Bon, le traitement là, il n'est pas encore précis. Hein. Il y aura un plateau surélevé pour faciliter l'entrée et la sortie du parking. Voilà. Et on conserve le trottoir qui existe actuellement de l'autre côté. Là, c'était la vidéo, mais on la passera à la fin. Ce sera plus facile, ce sera plus pratique de ne pas la passer directement dans le PowerPoint, ça passe mieux. Donc, le phasage envisagé des travaux. Pour la place de la mairie et contours, c'est septembre 2017 à juin 2018. Le parking souterrain, de septembre 2018 à décembre 2019. Et la place des allées, on espère la rendre début 2020, avec la placette Kellerman qui pourra être réalisée. Qu'à ce moment-là, parce que le transformateur EDF sera intégré au parking. Alors, c'est des dates approximatives hein, qui peuvent évoluer en fonction de ce qu'on peut gagner sur les délais. Pour la présentation, c'est fini. On va vous présenter maintenant une vidéo 3D qui permet de voir l'ambiance du projet. Donc, on part du parking, de l'entrée du parking, et on va voir tout le projet en 3D. Ce qu'on voit surtout, c'est que le fait de ne plus avoir de voiture, ça rend l'espace beaucoup plus large en fait. Donc on passe derrière la mairie. La transition entre les deux places, le terrain de boule, la fontaine qui est replantée, et à l'arrière, l'espace pavé qui permettra de mettre le chapiteau en été ou lorsqu'il y a des manifestations.
des stationnements qui sont contre les arbres et on maintient le stationnement longitudinal le long des arches. On voit bien la fontaine qui retombe sur la place, actuellement il n'y en a pas. Et on voit qu'on traite la petite placette qui est au niveau de Kellerman. Voilà. C'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils vont investir les guettiers ? Bien. Voilà, vous avez vu, merci à Hugo Fourcade et Thierry Pitou, le directeur général des routes de la métropole, qui nous ont présenté ce projet, que personnellement, je connaissais puisque j'ai travaillé, j'ai fait part de mon avis, mes propositions, que je trouve de très grande qualité, hein, qui préserve la vidéo, prenez quelques libertés avec la réalité, mais vous avez vu les photos. C'est quelque chose de très grande qualité pour Saint-Martin, dans l'esprit de ce qu'on veut faire. Le calendrier, je redemanderai à Christian Esposi, moi je souhaite qu'on puisse gagner une saison d'été, mais je sais que c'est compliqué puisque nous l'avons vécu avec le département et tous les chantiers sont très compliqués, surtout maintenant. Mais j'espère. Si on peut, et on en a parlé avec M. Pitou, commencer le chantier du parking plutôt qu'en septembre 2018, en janvier 2018, on gagnerait une année pour l'ouverture à la saison 2019. Mais bon, ça, je vais me battre pour ça, mais je connais les procédures. On est dans un pays qui accumule les normes, les procédures. On parle de simplification, mais c'est de plus en plus compliqué de réaliser un projet public. Projet privé souvent aussi, hélas. Voilà, dans ces délais, ils sont à titre d'information. L'objectif, c'est naturellement d'aller le plus vite possible. Voilà, maintenant, je voudrais qu'on est là pour répondre à vos questions, à vos remarques, à vos propositions. Si vous trouvez que c'est beau, n'hésitez pas à le dire, parce que ça peut aussi faire du bien de temps en temps. La parole est à vous. Si vous avez des questions, des remarques, des oppositions, des propositions, des suggestions, des soutiens, merci à vous. Je souhaite intervenir. En deux mots, c'est très bien. La critique thésée a l'air difficile. Donc, c'est pas une critique, mais est-ce que vous avez envisagé la possibilité de faire deux niveaux de parking. Il m'avait semblé que c'était possible. Mais moi, je ne suis pas ingénieur. Hein, okay. Voilà. C'est plus cher, bien sûr, mais ça fait 120 places au lieu de 60. Oui, évidemment, la question s'est effectivement posée. Nous sommes déjà là, comme le disait le président du Conseil général, sur un investissement extrêmement lourd, notamment le parking. Nous sommes à un ratio de coût à la place qui dépasse très largement les coûts à la place que nous avons sur le littoral, notamment sur Nice. On a un coût à la place qui est plus cher que ce qu'on a sur le parking sur Nice. Et si des fois, ce qu'on a regardé, si on faisait une nappe supplémentaire qui permettrait d'augmenter la capacité, on augmente encore considérablement ce coût à la place et qu'il est dès lors plus raisonnable. Au-delà de ça, on aurait des contraintes de chantier qui seraient très impactantes sur la circulation. Puisque dès lors qu'on descend plus bas, il faut prendre plus d'emprise, et donc on aurait des difficultés pour maintenir les deux voies de chantier, les deux voies de circulation sur la RM 25-65. Donc oui, la question a été évoquée. Merci. Oui, c'est une bonne question. On a souhaité avec Henri manquer le plus de place possible, naturellement, et si on pouvait en avoir 120 ou 100, c'était mieux. Bon, c'est une forme de compromis, y compris budgétaire, hein, puisque, j'ai des coûts, il y a 5 millions 6 à peu près, hein, donc le parking, c'est
C'est la moitié, M. Pitouze, donc ça fait un coût à la place qui est important. Et donc mettre autant de places en plus, c'était 2 millions d'euros de plus. C'est l'arbitrage financier est lié à la complexité technique. Voilà. Je pense que ces places qui sont supérieures à ce qui existe, qui n'a jamais existé, que ce soit l'addition de la mairie et des allées, plus ce qu'il y a désormais aux côtés du pôle sport, fait aujourd'hui une centaine de places en plus. Voilà. Donc, je pense que ça devrait répondre à l'essentiel de la demande et avec surtout le souci esthétique, voilà, qui a été aussi recherché. Oui, c'est juste pour compléter. On a bien sûr étudié techniquement si c'était réalisable. Le problème, c'est qu'il faut faire des trémies pour passer d'un niveau à l'autre. Et on a un site qui est quand même très contraint. Et on n'aurait pas fait énormément de places en plus, en fait, pour un coût beaucoup plus élevé. Parce que le site est quand même très contraint. On est le plus proche possible du village, donc c'est en plein centre. Par contre, les trémies prenaient beaucoup de place. Et en fait, on aurait peut-être fait 35 ou 40 places par niveau. Quoi. C'était pas très intéressant. C'est aussi une vocation du pôle sport, hein, puisque, qui lui sera payant. Mais nous avons veillé autour du pôle sport. Aujourd'hui, sur la place, il n'y a pas de jardin d'enfants. Il y a des animations qui sont d'ailleurs l'hiver, la patinoire, l'acrobranche, dont le maintien a été prévu, hein, en tout cas techniquement. Et c'est à la mairie d'en décider, mais. Nous avons, et c'est des investissements qui ont été financés par le syndicat mixte, notamment la patinoire, hein, puisque comme il y avait le chantier sur le parc, on a voulu qu'il y ait ces équipements. Donc, aujourd'hui, madame, il n'y a pas de jardin d'enfants sur les allées. Les enfants peuvent y jouer, on peut y mettre des activités modulables qui peuvent être installées, mais de façon permanente. Le jardin d'enfants, il est devant le pôle sport. Ah, donc c'est le jardin d'enfants traditionnel, et d'ailleurs, je le dis, et nous y veillerons avec Henri pour l'été prochain, pour que, bien entendu, ce jardin d'enfants soit refait complètement avec des équipements à la hauteur du pôle sport. Il y aura les activités du pôle sport, hein, nautique pour les enfants, et je veux souligner que vous verrez la qualité de la piscine, et vous y rentrerez pour 5 euros. Quoi. Voilà, je dirais que c'est beaucoup moins cher que des piscines à Nice. Hein, et avec un abonnement pour les personnes à l'année, il y aura la grimpe ludique pour les enfants. Bon, il y a des abonnements, il y a des tarifs, mais sur la place, il faut que chaque espace ait sa vocation. Voilà. En tout cas, c'est pas. On reste dans l'esprit de ce qui existait. Le pôle pour les enfants, et c'est important parce que dans la réussite d'une station, d'un village, il y a l'accueil des enfants. Et je suis convaincu demain qu'avec le pôle sport, les enfants, et avec ce qu'on fait à Alpha, avec la Tyrolienne, les enfants ils vont vouloir venir ici. Et par rapport à d'autres destinations pour lesquelles on pourrait être en concurrence. Mais au plan touristique, d'abord, c'est important de donner à nos enfants des outils, des équipements dont ils ont envie, dont ils ont besoin. Je suis le premier à le vouloir. Et en même temps, c'est important, dans une démarche touristique, d'accueillir et de bien accueillir les enfants. Donc, cette vocation, elle est
dans le périmètre, à l'extérieur et autour du pôle sport. Mais c'est cet objectif. C'est dans les travaux, c'est le traitement des arômes au-dessus, actuels, donc ils vont disparaître pour profit d'autres végétations. Oui, donc sur effectivement les arbres, hein, dont je crois que M. le maire me disait qu'ils avaient 120 ans, donc c'est des arbres qui sont plus très jeunes et on pourrait considérer qu'ils sont plutôt sur la fin de vie. Donc la question s'est posée, la réalisation du parking est quand même extrêmement impactante sur le secteur. Donc il faut faire des travaux là où il y a des arbres. Donc nous avons examiné la possibilité de les maintenir en vie, planter, de les replanter temporairement, compte tenu de leur âge et de leur état, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc la conception du projet, vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure sur la coupe qui a été présentée, mais il y a une épaisseur de terre d'1,50 m. 1,50 m, ça permet de planter des arbres de haute tige. Ça peut être des platanes, comme c'est le cas aujourd'hui, comme d'autres essences. Je pense que là, il y aura un choix à faire dans la phase de conception à laquelle Monsieur le maire nous a dit qu'il souhaitait associer la population. Donc des arbres de haute tige seront durablement replantés. Et ce point-là a été d'ailleurs validé par l'architecte des bâtiments de France. Nous l'avons examiné avec lui. Bonjour. Dans le cadre du terrassement, par rapport à une source qui se présente sous la place, comment elle va être déviée, s'il vous plaît ? Alors, je ne sais pas si on a déjà identifié une source, Vivian. Non, on n'a pas identifié de source. Bon, il se pourrait quand même que lors des travaux de terrassement, à ce moment-là, on la drainerait, on la canaliserait pour la faire ressortir en aval. Et on a fait quelques sondages déjà derrière le mur, on n'a pas identifié de source, hein. C'est ça ? Donc Vivien Frandreviel, qui est l'ingénieur en charge de la conception du parking. Oui, de toute façon, il y a une source qui est drainée vers la fontaine, donc par le biais d'une canalisation que l'on dévoira dans le cadre des travaux du parking. Effectivement, comme M. Pitou le disait, dans la mesure on découvre une autre source dans le cadre des terrassements, on procédera aux dévoiements qui sont nécessaires. Bonjour. Bon, j'ai bien observé le projet qui a l'air d'être intéressant. Moi, je me pose une question concernant les façades. Parce que là, on a le bar des Alpes, c'est une verrue. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose, pardon, je sais que c'est du privé, mais est-ce que vous avez l'intention de voir avec le propriétaire pour qu'il refasse la façade et les façades qui sont derrière la mairie aussi? Donc il y en a quelques-unes qui ont été refaites, d'autres non. Est-ce que c'est prévu dans le projet? Vous avez en partie apporté la réponse. Naturellement, là on est dans du patrimoine privé, hein, donc c'est pas puissance publique de se substituer au privé. Pour autant, et je partage votre remarque, on a vécu la même chose à Nice, et je parle à Denis Carlo, qui, lorsque j'étais premier adjoint au maire de Nice, on avait rénové à la fin de la place Garibaldi, notamment toutes les façades, et qui sont des façades privées, on avait veillé à ce que la ville de Nice à l'époque participe au financement, apporte une subvention importante pour le financement des façades des privés de la place Garibaldi. Enfin, je prends cet exemple parce que vous pouvez tous l'avoir en mémoire. On l'a fait aussi ici, plus près, sur la place de la Frérie, hein, puisque qui est aujourd'hui magnifique. Donc toutes les façades qui ont été refaites à la place de la Frérie l'ont été avec des aides importantes du conseil départemental. Et plus tard, enfin, ça a été fait avant que la métropole soit créée. Voilà, donc il faudra, et vous avez raison, c'est important qu'on réfléchisse avec la métropole, comment on peut mettre en place un dispositif. On a, vous le savez, puisque certains, beaucoup même, en bénéficient à Saint-Martin, il y a des aides à la rénovation des façades.
certaines rénovations de façade ont été faites derrière la mairie. Je vois Honoré Guetti et Marilène, ils ont fait une belle façade. Voilà, certaines façades ont été faites, il en reste d'autres à faire. Il y a des aides du département, il y en a, je crois, désormais aussi sur la rénovation de l'habitat de la métropole. Dans ce cas de ce projet, moi je serais favorable à ce qu'on regarde pour aller plus loin, pour inciter les privés, on ne peut pas les obliger. Parce qu'il n'y a pas de façade qui est en péril, quoi. Le maire pourrait prendre un arrêté de péril, il n'y en a pas heureusement sur la place de la mairie. Et puis après, voilà, on a déjà, je le dis, eu la chance qu'il y ait un investisseur privé aux Alpes. Je vois Jean-Claude Camerini qui est là et je le remercie. Parce que c'était important. On pourrait avoir aujourd'hui les Alpes qui soient fermées, où il n'y ait plus de commerce. Donc voilà, on espère qu'il y aura des projets, on en parle, qui participent de cette rénovation. Mais là, c'est une affaire privée. Je le disais tout à l'heure, ce qu'on fait avec beaucoup d'argent public, sans peser sur la fiscalité locale, à Saint-Martin et au département, ça aussi un objectif et une finalité, c'est que demain, ça génère la confiance du privé, que la place soit tellement belle que ceux qui les maisons se disent, ben, il faut que nous, notre façade, elle soit à la hauteur, parce que c'est un patrimoine qui va être valorisé pour tout le monde. Hein, voilà, ceux qui sont propriétaires, demain, ils auront des biens qui vaudront plus cher, parce qu'il y a eu ces investissements publics. Et donc, en même temps, il faut qu'il y ait des investissements privés, mais c'est vrai que c'est l'idéal, c'est qu'en même temps, toutes les façades se refassent. Voilà, ça, on ne peut que souscrire à ce que vous avez dit. Plus d'autres questions? Oui, oui, André. Je voudrais vous parler de la route de la Vésubie. Je vous avais interpellé à la Madone, là, au mois de mai, elle a fermé, M. Sciocchi, et c'est vrai que c'est bien beau d'accueillir beaucoup de monde à Saint-Martin-Vésubie, dans la Vésubie, mais cette route, elle n'est plus appropriée. Elle n'est plus appropriée, vu la circulation qu'il y a, vu les bus qu'il y a, vu les transports qu'il y a, de bois et autre chose. Et vous m'aviez dit, bon, c'est pas du ressort du département, c'est du ressort de la métropole. Mais, bon, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour au moins l'élargissement de la partie basse de la vallée de la Vésubie, où on n'arrive pas à se croiser souvent? Bon, moi je vais pas dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2012, les voiries communales et départementales sont du ressort de la métropole. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, et on fonctionne ensemble, on travaille en totale harmonie, et ce projet en est l'exemple, puisque c'est le département qui l'a demandé, c'est la métropole qui le fait, on échange, il y a des projets inverses, à Nice, c'est la métropole qui fait le tramway, nous venons en soutien financier. Bon, on est dans une période, il faut bien que vous en ayez conscience, où l'argent public est rare, et beaucoup plus rare qu'avant. Voilà. Les dotations de l'État, je parle du département que je préside, ont diminueront entre 2013 et 2017 de 88 millions d'euros par an. 88 millions d'euros par an. En même temps, nous avons des dépenses sociales qui augmentent de façon considérable. La métropole a à peu près le même impact sur la baisse de la dotation. Donc, quand on est élu, il faut faire des choix. J'en fais tous les jours. Hein. Il faut faire des arbitrages, il faut prendre des décisions, il faut faire des économies. Il y a des choix qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles. Bon, hier j'ai fait le choix de vendre les 4% de l'aéroport que possédait le département. C'est une recette pour le département de 81 millions d'euros, hein, qu'on va consacrer à de l'investissement. Voilà, il y a des choix permanents qu'il faut faire entre les projets. La route, la vallée de la Vésubie, et Elio Focal, c'est bien, puisque c'est lui qui a conduit la plupart de ces projets. Et nous y avons investi massivement, au cours des 10 dernières années. Je crois qu'on a fait plus de 75 millions d'euros d'investissement sur la vallée de la Vésubie.
creusé des tunnels de bas de vallée, on a fait la trois voies pendant plus d'un kilomètre en bas de vallée. Il y a eu la section entre Saint-Jean et Lantosque, des élargissements. Ici, on a comblé le vallon, on a comblé les deux vallons du Cougne. On a comblé le vallon du Touron. Le vallon du Touron, c'était 7 millions d'euros d'investissement. Bon, on a fait tout l'élargissement entre Saint-Martin et Aubière. Alors, c'est vrai qu'il reste, la partie des gorges qui est un peu serrée sur certains endroits. Bon, il faut phaser les priorités. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait le choix de faire d'autres investissements pour attirer du monde. Bon, objectivement, si vous regardez, on n'a pas, et de très loin, je peux vous dire, hein, j'étais hier du côté de Saint-Auban, si vous allez faire un tour là-bas, il n'y a pas le même réseau de voirie que nous avons ici. Donc je pense que, objectivement, au moins, il faut être aussi. Voilà. On a fait la 202 bis. Hein, on a fait la 202 bis, c'est aussi l'accès aux vallées. Alors, bien sûr, il y a une partie qui reste difficile, mais qui part, qui se rappelle des bouchons le dimanche soir sur la 202. Hein, voilà, on a fait la 202, la 202 bis, il y a encore des ronds-points qui sont faits. La 202 bis, c'est 300 millions d'euros d'investissement, hein, financé essentiellement par le département, d'ailleurs. Bon, voilà, donc, à un moment, le mieux, l'ennemi du bien. Je ne peux pas vous dire vous avez tort, vous avez raison. Et aujourd'hui, il faut faire des phasages, et on est dans le phasage d'avoir fait les projets. La route, on l'a fait, hein, l'aménagement de l'entrée de Saint-Martin, les élargissements, on en a fait beaucoup. Il en reste à faire encore, j'en conviens, mais voilà, le temps fera son heure. André. Oui, monsieur le président, monsieur le maire, monsieur, bonjour. Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué dans ce projet, c'est celui de l'information. Vous savez l'importance de l'information pour une station touristique. Actuellement, celui qu'on met en place se fait sous forme d'affichettes, enfin, c'est plutôt un affichage sauvage. Ne pensez-vous pas que dans le cadre de la réfection donc de la place, il serait souhaitable d'y intégrer un système moderne d'information sous forme de panneaux électroniques et d'autres techniques de ce genre? Ça me paraît une bonne idée, hein, qu'il faut intégrer dans... Surtout qu'on a le pôle autour de l'office de tourisme. Tout ça, c'est une bonne idée, André, absolument. Je pense qu'il faudra le faire, en effet, pour qu'il n'y ait pas d'affichage anarchique. Bon, il peut y avoir des panneaux, des beaux panneaux bois, mais on peut aussi avoir un affichage électronique. Paraît une bonne idée, comme toujours. En même temps, je veux vous dire, ça n'a rien à voir, parce que c'est André qui pose la question, que nous allons, ça c'est un projet de la mairie, mais rénover, qui concerne la métropole aussi d'ailleurs, enfin, plus la métropole d'ailleurs, rénover le monument aux morts, hein, et je veux souligner, et je vous y invite tous d'ores et déjà, que le vendredi 25 septembre sera posé sur le monument, sur l'espace du monument aux morts, le nom des justes de Saint-Martin, qui ont été faits justes parmi les nations. Et je veux vous signaler, parce que c'est extrêmement important, et je le dis et je le redis, parce que c'est pour moi un élément d'honneur et de fierté pour Saint-Martin, que Saint-Martin se verra décerner le titre de village juste parmi les nations, pour avoir protégé les populations juives pendant l'été 43. Et c'est un grand honneur pour notre village. Il y aura une grande cérémonie le dimanche 25 septembre, dans l'après-midi, au Monument aux Morts et dans la salle du Pôle Sport qui sera ouverte. Voilà, j'en profite de votre présence nombreuse ce matin pour vous donner d'ores et déjà ce rendez-vous aussi, qui est un rendez-vous de la mémoire et le fait de faire la place devra aussi conduire à rénover l'espace mémoriel autour de la mémoire de nos morts sur le monument aux morts. Il n'y a plus d'autres questions, d'interventions? Ah oui, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez prévu, je n'ai pas vu sur le plan, un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite? Oui, jusqu'à.
Merci. Oui, donc la problématique de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est intégrée au parking, mais sans ascenseur, dont on sait que l'entretien, notamment sur des édicules qui sortent à l'air libre, pose des difficultés. On a quelques exemples sur le territoire métropolitain. Donc là, la solution, et je serai peut-être complété derrière, la solution pour les personnes à mobilité réduite, c'est de sortir par l'avenue Charles de Cacquéret et de remonter sur le trottoir. On fait des places à l'extérieur. Voilà. Alors, et en plus, il y a effectivement l'aménagement spécifique sur voirie de places pour personnes à mobilité réduite qui donne un accès plus direct de ces personnes pour arriver aux espaces publics. Bonjour, je voudrais d'abord vous dire que moi je suis très agréablement séduite par le projet que vous avez qui va effectivement transformer cette place et peut-être qui redonnera à Saint-Martin véritablement son titre de capitale de la Suisse niçoise. J'ai simplement une question qui concerne la traversée du village par la route. Comment ou avez-vous pris en compte justement le fait que la route va traverser cette place qui fera une unité? Je vais laisser Denis Carlo expliquer le concept, mais effectivement aujourd'hui vous avez une route qui traverse les places. L'objectif demain c'est qu'il y ait une place qui traverse la route. C'est bien ça, Denis? Voilà, tout à fait. Hein, cet aménagement, on avait initialement plusieurs espaces. Le but de cet aménagement c'est de créer finalement qu'un seul espace, hein, relier la place de la mairie à la place des allées. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur la photo, on le voit ici, le petit muret qui est au bout de la place des Allées a été supprimé pour vraiment créer une jonction entre les deux places. Et on aura un escalier en sifflet où on voit les deux personnes sur la droite, de façon à créer un même espace entre la place des Allées et la place de la mairie. Bon, la route est conservée, mais on va avoir vraiment une jonction entre les deux places à niveau, de façon à faciliter la circulation des piétons entre les deux espaces. Mais la fonctionnalité de la route est conservée en lieu et place. Naturellement, et je perçois dans votre question des aspects qui nous sont souvent posés. C'est vrai qu'on a la route au milieu du village et elle peut présenter une dangerosité, on a eu des accidents. Donc des dispositifs ont été mis en place pour limiter la vitesse, voilà, et il faudra veiller aussi dans les dispositifs physiques que bien entendu cet espace qui est totalement piéton, enfin qui est un espace piétonné transversé par la route, soit totalement protégé, bien sûr. Pour la beauté du système, hein, l'endroit que je vois là avec les rayures blanches, on ne pourrait pas mettre du dallage? Le même dallage que la mairie, c'est-à-dire un peu comme l'entrée, si vous préférez, vous voyez, là au moins, un passage piéton. Voilà, ça serait un passage vraiment la place où on peut marcher avec, enfin, peut rouler avec des voitures. C'est peut-être plus beau, mais encore une fois, c'est une suggestion. Hein. Oui, vous y pensez, hein, le problème c'est l'hiver. Le dallage, il va être glissant avec la neige ou le verglas. Donc, ce qu'on va faire, on va colorer en fait la voirie. Voilà, on fera peut-être un enrobé grenaillé ou rouge d'une couleur, de façon à bien marquer la zone qui sera vraiment urbaine. Bon. Et en fait, on va créer une zone de rencontre. Actuellement, on est en zone 30, il y a un autre système qui existe, c'est la zone de rencontre, où les piétons sont prioritaires. Et là, c'est limité à 20 à l'heure. Donc, on fera en sorte que les gens ne puissent pas rouler à plus de 20 à l'heure. Et on marquera physiquement au sol pour que la transition soit vue par les véhicules. Il n'y a plus d'intervention. On reste, oui, président. Oui. Ah, oui, on reste là encore sur ce problème-là qui évidemment touche tout le monde. Je vais poser une question ubuesque peut-être. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer l'enfouir la route à cet endroit-là, faire en sorte qu'il y ait une continuité totale de la place de la mairie jusqu'à la place de l'allée, en faisant que les véhicules passent sous voie et non pas sur la voie?
Techniquement parlant, tout est possible. Hein. C'est ce que j'allais dire, voilà. Le problème, c'est le coût. Voilà, toujours la même histoire. Puis c'est, il fallait commencer beaucoup plus bas. Oui, c'est quand même une trémie. Bien sûr, bien sûr. Une certaine longueur, il faut voir où ça ressort. C'est compliqué quand même. Mais bon, c'est pas le choix qui a été fait, par exemple. C'est pas un choix cohérent parce que ce qu'il faut, c'est la visibilité du village. Donc, si vous enfouissez la ville, ben, le village, enfin, si les voitures ne passent pas dans le village, ben, on ne s'arrête pas dans le village. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'est une bonne réponse. Bien, plus de questions. Je vois qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a le maire de Roquebillière qui est arrivé. Et il va être jaloux de la qualité du projet. Mais il a déjà eu sa place et puis il a eu plein d'autres choses aussi. Voilà. Je remercie en tout cas plus sérieusement Gérard Manfredi, qui est vice-président de la Métropole, accompagné de Monique, qui est conseillère régionale, de leur présence. Et je disais en leur absence tout à l'heure que voilà, on avait mis en place un projet global pour la vallée. Roquebillière a eu aussi des investissements extrêmement importants. Je pense au gymnase, je pense au bassin de baignade. À la station thermale, et que tout ça est cohérent parce qu'on n'est pas en concurrence, on est vraiment un territoire qui aujourd'hui, depuis Turigny jusqu'à la Colmiane, va offrir des équipements, des atouts, au-delà de nos attraits naturels, de la montagne, de la qualité du site, qui est d'abord, qui est la première richesse et qui sera jamais égalée, mais on a des équipements aujourd'hui qui sont complémentaires, qui sont gérés en commun, et qui vont apporter beaucoup. Voilà, donc ce projet aujourd'hui est un élément de plus complémentaire, indispensable. Nous l'avons. Voilà, il reste maintenant, je sais que c'est la partie la plus difficile, parce que c'est celle où on est le plus impatient, c'est celle du chantier, c'est celle où il y a des difficultés, donc il faudra un peu de patience. Mais voilà, on arrive vraiment au terme d'une approche globale qui va nous permettre de bâtir l'avenir pour plusieurs générations. C'est en tout cas ce qu'on a voulu faire ensemble avec votre confiance. Merci à chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas, vous avez des registres à la mairie, de faire part de vos réflexions. Voilà, le projet, aujourd'hui, l'essentiel est montré. Présenté. Je conclus de cette réunion qu'il y a un soutien unanime et une adhésion à ce projet, donc ce qui est important, parce que ce projet, il faut qu'il soit fait avec vous, pour vous bien sûr, mais avec vous, qu'il soit cohérent, qu'il soit beau, qu'il ne présente pas de nuisance. Mais on est encore au stade, bien entendu, où des améliorations, des suggestions peuvent être prises en compte pour améliorer les choses. En tout cas, du fond du cœur, merci. Rendez-vous, on se verra sans doute pour le festin du 15 août, le dimanche après-midi. Et puis, voilà, alors là, je croise les doigts parce que je peux vous dire que je mets une pression que je n'ai jamais mise sur mes services et pourtant, ils savent que j'en mets au quotidien pour la réalisation de la fin du Pôle Sport. Je vois Mme Journy qui peut témoigner. Voilà, mais c'est vrai que j'aurais préféré, et c'est un regret pour moi qu'on ouvre avant, mais en tout cas, on va ouvrir, je dirais, dans les jours qui viennent. Allez, voilà. Merci beaucoup. Et très bonne journée.